Bonjour, je m'appelle Odile Bagot, je suis gynécologue et auteure aussi de plusieurs ouvrages. C'est une substance de synthèse, c'est-à-dire chimique, mais parfois naturelle, qui vient interférer avec le fonctionnement endocrinien, c'est-à-dire tout ce qui concerne les hormones. C'est l'histoire de la serrure et de la clé. La serrure, c'est le récepteur hormonal. Celui-ci, on va le trouver sur des organes dits cibles, par exemple le sein ou le testicule. Et la clé, c'est l'hormone. On va prendre l'exemple du sein. Si vous avez le récepteur hormonal du sein qui est stimulé par l'œstrogène naturel, par exemple, vous aurez un peu mal au sein. Si ce n'est pas l'hormone naturelle, mais justement un perturbateur endocrinien qui lui ressemble, ce perturbateur va venir interférer avec notre récepteur, c'est-à-dire notre serrure, et bien là, on aura des effets qui seront pervers et c'est ça qui peut être très dangereux. Ces dangers ont été définis en 2015 par toutes les sociétés internationales d'endocrinologie et ils ont pointé le diabète et l'obésité, les problèmes de fertilité et de reproduction autant chez les hommes que chez les femmes, les cancers hormonodépendants, en particulier le cancer du sein chez la femme, mais aussi celui de la prostate chez l'homme, les dysfonctionnements thyroïdiens et des troubles dits neurocomportementaux, c'est-à-dire concernant le développement du cerveau avec les troubles du spectre autistique, les troubles de l'attention et des troubles aussi de type anxieux ou émotionnel, surtout chez les petits garçons. Il est difficile de dire qu'un perturbateur endocrinien est plus toxique qu'un autre. Ce qu'on sait en revanche, c'est identifier les perturbateurs endocriniens qui ont montré un effet sur la santé. On a des perturbateurs endocriniens, on va dire, dans 6 catégories. Les perturbateurs organiques persistants. Ceux-là, vous allez les trouver dans l'air, dans l'eau, un peu partout. On citera le DDT, par exemple, la dioxine ou l'agent orange au Vietnam. Donc ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose contre ça. Et dans le même ordre, vous aurez les métaux lourds, comme le mercure, par exemple. On a tous les plastiques, dont le fameux bisphénol, mais aussi les phtalates. Alors, ils sont incroyables, ces phtalates, parce qu'ils prennent toutes les formes. Ils peuvent être liquides, invisibles, ils peuvent être souples, c'est le rideau de votre douche, et puis ils peuvent être durs, c'est le PVC de l'encadrement de fenêtre. On trouve aussi ce qu'on appelle les perfluorés dans ces plastiques, c'est tout ce qui concerne les imperméabilisants ou les antiadhésifs. Enfin, on a toute la catégorie des conservateurs. Vous avez entendu parler des parabènes, du triclosan, il y a aussi des filtres UV qui empêchent qu'un produit soit attaqué par la lumière. Une autre catégorie que vont interférer avec l'iode, vous verrez, ce sont les retardateurs de flamme bromée. C'est tout ce qui est ineffugent, c'est-à-dire qui va éviter que quelque chose prenne feu trop rapidement. Par exemple, votre literie, c'est quand même dommage. Il y a une période à très haut risque, c'est ce qu'on appelle la période des 1000 jours. Ça comprend la grossesse et les 2 premières années du bébé. Pourquoi est-ce que cette période est tellement importante ? Rappelez-vous de l'histoire de la serrure et de la clé. Pendant la grossesse, la formation du fœtus, tous les jours, il y a des dizaines de serrures à ouvrir. Et il suffit qu'à un certain moment, à une toute petite dose, eh bien, un perturbateur endocrinien vienne prendre la place de la bonne hormone, eh bien, ça suffit pour qu'on ait des conséquences. Il y a différents éléments que vous pouvez prendre en prévention avant la grossesse et pendant la grossesse. Il y a l'acide folique qui agit dans la différenciation des cellules, mais aussi 2 autres oligo-éléments, l'iode. Beaucoup de femmes sont carencées en iode en France, surtout quand on est loin de la mer, et au moment de la grossesse, on a une augmentation des besoins de l'ordre de 30%. L'iode va agir sur la thyroïde de la maman, et la thyroïde de la maman va agir sur le cerveau du fœtus. Donc il va falloir charger un maximum la thyroïde d'iode, donc se supplémenter en iode. Un autre élément s'appelle le sélénium, il agit aussi sur la thyroïde, mais il va pouvoir empêcher un peu la mauvaise action du mercure. Or le mercure, on en trouve beaucoup dans les produits de la mer, les produits, les crustacés, les poissons, qu'on consomme beaucoup en France. Donc, acide folique, iode, sélénium, et bien ça on va le trouver dans des compléments alimentaires qu'on donne souvent en début de grossesse, mais qu'on peut tout à fait prendre auparavant. Quand on regarde les spermogrammes des années 30, hein, on en avait à ce moment-là, et ceux d'aujourd'hui, qu'on les compare, on a une diminution de 50%
des spermatozoïdes. L'autre moment où les hommes sont exposés, c'est en fait quand ils sont encore dans le ventre de leur maman, puisque nos perturbateurs endocriniens les plus courants sont des anti-androgènes, donc anti-hormones mâles, et donc ça va interférer avec le développement des organes génitaux. Et on a une malformation des petits garçons qu'on appelle la cryptorchidie, c'est-à-dire que les testicules ne sont pas encore descendus à la naissance dans les bourses, comme ça devrait être le cas. Et cette pathologie, eh bien, est devenue très fréquente. Ça augmente de plus de 2% chaque année. La cryptorchidie, mais aussi le cancer du testicule, qui lui est initié in utero et ne se manifestera que chez l'homme jeune entre 20 et 30 ans. Et ces trois choses, ça a un nom, on l'a identifié comme étant ce qu'on appelle la dysgénésie testiculaire. S'ajoute encore le problème du cancer de la prostate, qui lui est en partie initié par certains perturbateurs, dont par exemple le chlordécone, qui est un insecticide utilisé dans les bananeraies aux Antilles par exemple.